bienvenue dans Tone Factory. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto blues et on va jouer en slide aujourd'hui. Alors, avant toute chose, accordez votre guitare en open de sol, puisque c'est comme ça qu'on va apprendre ce morceau Rolling and Tumbling, dont on va parler juste après. Un petit topo sur l'accordage très rapide. L'open de sol, ça commence d'abord par un ré sur la corde de mi. Ensuite un sol. Donc vous descendez tout ça, hop, sur la corde de la. Ensuite un ré. Là, il n'y a rien qui bouge. Un sol. Rien qui bouge non plus. Un si. Rien qui bouge non plus, quoique des fois, il faut le descendre un peu pour que ça fasse un accord bien juste. Et puis, sur la corde de mi, donc on va descendre en ré, la petite corde. Hop, on va détuner sa guitare, encore une fois. Donc, ça nous donne ça à la fin. Et sans la corde de mi... Nous voilà en sol majeur. On va parler aujourd'hui du morceau Rolling and Tumbling, un méga grand classique du blues qu'on a entendu, réentendu, réentendu encore. Il y a, je sais pas combien il y a eu de reprises, mais je pense que c'est au moins une centaine. On l'a entendu avec Robert Johnson dans les premiers enregistrements, donc là on est vraiment dans les années 20-30. C'est la version qui m'a le plus inspiré, mais il y a eu des super versions après, notamment celle de Jeff Beck, qui est une version magnifique, je sais plus dans quel album, j'ai oublié, mais qui est une version d'enfer. Vous tapez Rolling and Tumbling, Jeff Beck, avec une super chanteuse. Et puis, j'ai fait aussi une version, humblement, avec mon groupe Nick Ocean and the Freshtones, dont le disque se trouve juste derrière moi, le premier album. Et dedans, il y a donc cette version de Rolling and Tumbling qu'on a décidé de faire depuis très longtemps, on la joue sur scène, qui est très énergique, et c'est celle-là qu'on va bosser aujourd'hui, alors qui ressemble un petit peu à celle de Jeff Beck, un petit peu à d'autres. C'est vraiment un mix de plein de versions que j'ai déjà entendues. C'est une super reprise, quoi qu'il en soit, donc à vos guitares, c'est parti. Alors, ce morceau Rolling and Tumbling commence par cette intro. Tout simplement chercher nos deux dernières cordes, donc la corde de si et la corde de mi, ici, donc en troisième case, et en cinquième case. Alors attention, quand on parle de case avec le slide, avec notre bottleneck, on va chercher en fait la frette, celle-ci. Donc on parle de troisième frette, on va vraiment jouer sur la frette pour que ce soit juste. Si je joue au milieu de la case, c'est pas beau. Ensuite, nos deux cordes à vide. Et ensuite, donc en cinquième fret cette fois-ci. Et ensuite, on vient slider justement sur notre troisième fret, donc on remonte. Juste un demi-ton. Et on revient comme ça avec un joli slide, donc entre la deuxième et la troisième frette. Vous pouvez aussi faire sonner un petit peu la corde de sol. Hein, sur cette fin d'intro. Voilà, et ensuite on débarque sur le thème principal, le riff du morceau. Dont on va parler juste après. Je vous refais cette intro tout doucement en entier, c'est parti. L'avantage d'être en open, vous avez vu, c'est qu'on peut choisir un petit peu les cordes qu'on va jouer. De toute façon, ce sera juste avec le slide, puisque, à part notre première corde, tout le reste forme un accord majeur juste. Notre sol, donc. Peu importe où je vais jouer, finalement, l'important c'est d'apprendre les positions sur la guitare. On avait déjà fait un tuto pour les basiques du slide sur Tone Factory, je vous le remets d'ailleurs juste ici, ça fait un petit moment maintenant. Mais voilà, l'important c'est de jouer là où on a besoin de jouer, sur les bonnes positions, et de faire sonner les cordes qu'on a envie d'entendre sonner, tout simplement, pour enrichir son jeu. Donc
Je m'explique, quand je fais l'intro, le tout premier thème que je fais, je vais juste jouer mes deux dernières cordes, comme on le faisait. Ok ? Et puis le deuxième thème qui revient par-dessus ça, après les quatre... Eh ben on va le jouer cette fois-ci, par exemple, avec la corde de sol. Voilà, c'est un peu plus costaud et ça permet de faire une intro qui est un peu progressive comme ça, qui monte dans les tours jusqu'à envoyer la machine complète pour lancer ce morceau Rolling and Tumbling. Pour notre riff principal, donc celui-là, on va cette fois-ci jouer la corde de La, la corde de Ré et la corde de Sol. Donc on remonte un petit peu sur les cordes. Attention, sans la corde de Mi, alors comment je fais ? Vous voyez, j'ai toujours mon pouce quelque part ici qui vient bloquer plus ou moins la corde, faire sourdine. Ma corde de Mi, j'en ai besoin que à certains moments, mais elle fait pas partie de mon accord, donc c'est très important de la bloquer comme ça. Voilà, et ainsi aussi avec la main droite, choisir les cordes qu'on veut jouer évidemment. Donc tout d'abord, toujours ce slide entre la deuxième frette et la troisième frette, comme tout à l'heure sur l'intro. Ça, c'est vraiment très important de faire sonner sur la frette. On va chercher ensuite, après nos cordes à vide, d'abord cordes à vide et ensuite troisième frette, cordes à vide de nouveau, et cette fois-ci, donc avec le bottleneck, ma corde de Mi. Voilà, et ensuite, on attaque notre premier couplet. On vient chercher cette fois-ci le bottleneck. Plac, on fait glisser le bottleneck en cinquième fret cette fois-ci. Comme vous l'avez entendu, Rolling and Tumbling, c'est un blues. Donc on a vraiment une structure très très basique. Et on commence en fait le chant sur notre deuxième accord. Alors vous avez vu, je fais beaucoup de slides entre la troisième frette et la cinquième frette. Au niveau du chant, j'essaye de justement d'accompagner mon chant avec une guitare qui soit un petit peu épaisse comme ça. Donc je continue à jouer sur mes trois premières cordes. Enfin, je veux dire de mon accord, c'est-à-dire la corde de La, la corde de Ré et la corde de Sol, attention, sans la corde de Mi. Là, j'essaye de bien remplir, de pas faire... pas des coups trop secs comme ça et pas une rythmique très très précise finalement. On essaye d'avoir quelque chose de, pas brouillon, mais assez gras pour remplir l'espace, encore une fois, c'est très très important. Donc on va faire ce schéma deux fois. Deux fois avant d'arriver cette fois-ci au troisième accord. Donc cette fois-ci en septième fret, on va descendre un peu plus bas, toujours sur les mêmes cordes, la corde de La, la corde de Ré, la corde de Sol. Voilà, et cette fois-ci, je vais venir slider jusqu'à ma cinquième fret et bloquer. Donc pendant une mesure complète, quatre temps, le troisième accord. Et là, je viens bloquer. Et je viens faire deux autres pêches cette fois-ci sur la troisième frette. Donc, vous avez vu, il y a un schéma qui est vraiment classique hein, au niveau des positions slide quand on est en open.
on vient chercher le troisième accord, donc sur la septième frette. Ensuite, on vient chercher la cinquième frette. Et donc, on bloque sur le temps. Et on vient faire ces deux dernières pêches sur le 3 et 4. Donc, en fait, on vient bloquer sur le 1 et on rebloque sur le 3 et 4. Deux pêches bien précises comme ça. Vous pouvez d'ailleurs les jouer sans le bottleneck, c'est encore plus précis. Et on vient ensuite reprendre notre riff, le riff principal de ce morceau, Rolling and Tumbling. Ce que je vous propose, c'est de faire tourner à vitesse réduite cette tourne, donc une tourne complète de Rolling and Tumbling. C'est parti. Pour la tourne principale de Rolling and Tumbling, on va s'attarder un petit peu maintenant sur les quelques petites subtilités que je fais, notamment à la main droite pour la rythmique, parce qu'il y a pas mal de trucs qui traînent autour de ces accords qui sont finalement assez basiques, qu'on vient faire avec le slide, que je fais à la main droite pour encore une fois un peu étoffer mon jeu. C'est d'abord une chanson que j'ai commencé par jouer seul en fait en acoustique, ensuite je l'ai joué avec mon groupe Nico Sean and the Fresh Tones, mais j'ai continué à avoir cette attitude de remplissage entre guillemets, comme si je jouais tout seul en fait de la guitare. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que vous aussi à la maison, si vous jouez ce morceau tout seul, ce sera pas vide, ce sera un morceau qui sera relativement plein, même à la guitare électrique, vous pouvez vous accompagner au chant, etc. C'est pas un morceau qui fait quelque chose de tout petit parfois, comme quand on fait des reprises de rock, c'est difficile à jouer tout seul. Ça c'est vraiment taillé pour une guitare solo au départ. Donc on va voir ensemble deux trois petites subtilités, rien de très compliqué, à la main droite, c'est parti. Alors la première subtilité qu'on va voir, c'est cet aller-retour que je fais. Il y a un jeu qui est pas mal en palm mute. Alors, c'est pas un palm mute trop sévère, hein. On laisse quand même sonner la guitare, mais pour rajouter un petit peu de précision, parce qu'en open, c'est rapidement crade, entre guillemets, rien de péjoratif là-dedans, parce que c'est un petit peu ce que je cherche au bottleneck, le côté un petit peu roots du slide, c'est ce qu'on aime aussi, mais il faut quand même rester assez précis, et c'est pour ça que vous me voyez très souvent faire ce palm mute un petit peu violent, entre guillemets, mais je viens vraiment taper la guitare et arrêter les cordes. Donc déjà ça c'est première chose pour être bien précis. Voilà, on voit qu'à la fin du riff, je viens plaquer par exemple cette note là sur la corde de mi. Voilà, je la mute un tout petit peu pour qu'elle résonne un tout petit peu, mais rien de... Je fais pas ça, je fais vraiment... Voilà, je la laisse résonner. Et ensuite, donc, cet aller-retour, le fameux, qui vient, encore une fois, enjoliver un petit peu ce riff. À la fin, en fait, du plan, je viens juste bloquer comme ça ma guitare et faire un aller-retour. Mais c'est complètement muté. Cette fois-ci, on n'entend plus aucune corde résonner. Thank you.
là je vous le fais un petit peu machinalement, hein, c'est un petit peu mécanique. C'est pas comme ça qu'il faut le jouer, il faut le jouer de manière plus subtile, mais c'est vraiment pour vous montrer ce geste très précis qui ramène un petit peu de pulsation aussi au jeu, c'est vraiment très important. La deuxième petite subtilité que j'adore faire dans ce morceau, c'est justement revenir sur mes cordes aiguës en retour avec mon médiator, donc c'est pour ça que là, ça concerne un petit peu la main gauche aussi. On va chercher les cordes aiguës avec le bottleneck. Alors, vous me direz, le bottleneck, il glisse partout pareil. Oui et non, parce qu'en fait, je mets une certaine pression sur les cordes quand je les joue vers le bas et une certaine pression quand je les joue vers le haut. Je fais pas glisser complètement à plat mon bottleneck, sauf quand je veux faire... Là, oui. Par contre, si je veux faire... Voilà, choisir juste les cordes aiguës, bah en fait, si je veux faire sonner juste ma corde de mi, par exemple, je vais un tout petit peu pencher mon bottleneck. C'est ce qu'on va faire ici. Pour pas entendre notre corde de ré et notre corde de sol. Et en plus de ça, on va exagérer le trait puisqu'on va chercher un retour avec le médiator. Et ça permet de changer un petit peu de couleur dans le riff parce que c'est très très rébarbatif. Hein. C'est toujours le même riff tout le long. Et on est sur les cordes graves, à part sur l'intro comme on a fait tout à l'heure. Donc là, on revient un petit peu sur la couleur de l'intro. Pour ce morceau, Rolling and Tumbling, il est composé uniquement de ce riff, donc ça va pas plus loin entre guillemets que ça, passez-y un petit peu du temps quand même. Aujourd'hui, je vous ai proposé ma version, la version que je fais avec mon groupe Nico Shona and the Fresh Tones dans notre premier album. Mais il y a aussi plein d'autres versions, je vous parlais de celle de Jeff Beck, il y a vraiment, vraiment plein de versions. Il y a ZZ Top aussi, Billy Gibbons, qui a fait une super version. Il y a vraiment, je sais pas, peut-être encore une fois, une centaine ou quelque chose comme ça de reprises minimum, je pense. Donc écoutez tous ces artistes, il y a des idées à prendre un petit peu partout, ça permettra d'étoffer avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis en ce qui concerne le solo, on verra ça, les plans du solo, puisque c'est exactement la même structure, on verra ça dans un autre épisode d'Autone Factory, justement pour apprendre quelques petits plans sympas en slide, et puis aussi au doigt, puisqu'on peut jouer, même si on est en open, de manière normale en fait, sans le bottleneck, donc mélanger les deux, ça donne toujours des couleurs très sympas, on verra ça. Donc dans une autre vidéo, en attendant à vos guitares, on se donne rendez-vous au prochain épisode de Tone Factory.